Rita, Rita, j'ai terminé les préparatifs pour notre premier rendez-vous. Tu n'étais pas censée travailler sur ton livre? Je suis désolée, je pensais que l'idée t'exciterait autant que moi. Non, je veux dire oui, enfin, je veux dire que ça ne me dérange pas. D'accord, alors premièrement, nous... Je dois y aller maintenant. Je suis contente que nous ayons eu l'occasion d'en discuter. Laisse-moi te raccompagner jusqu'à la sortie. Ce n'était pas des magasins de salaire. Ça semble... Il n'y a pas plus de vent que ce qui était prévu. Je pense que ça se calmera plus tard. J'ai fait des sandwichs ce matin. En voudrais-tu... Hein? J'ai aussi fait des boulettes de riz. Arrêtez de voler notre nourriture! Il n'y a plus rien! Passons à la suite alors. Ouais. L'une de nous devrait courir après l'autre comme dans les livres. Les mêmes sont fortes, hein? Cours, Rita! Cours! Hein? Pourquoi? Cours juste! Je vais t'attraper! Pourquoi es-tu fâchée? Je t'aime, Rita! Quoi? Je te dis que je t'aime! Mais va contre le bruit! Je n'entends rien, Estelle! Quoi? Vite! Nous allons attendre ici. C'est vraiment étroit ici, n'est-ce pas? C'est mieux que rien, c'est trop bien pour enfants après tout. Dis Rita, tu dois vraiment être déçue par ce rendez-vous. Je suis désolée de t'avoir entraînée là-dedans. Estelle... Oh non. Je ne sais pas quoi dire dans cette situation. Quand j'étais à la maternelle, on avait aussi un toboggan comme ça. Tu en avais un aussi? Oui, dans les quartiers des enfants. Tu sais, j'étais une enfant indépendante, ou plutôt égocentrique. Le toboggan n'était rien pour moi par rapport au Bastia. Mordio, tu t'appelles bien Rita Mordio? Quel énorme livre! Tu veux aller sur le toboggan avec nous, Mordio? Hé, qu'est-ce que tu fais? Mordio n'aime pas jouer. Mais elle a l'air seule. Allons-nous-en, on la dérange. En réalité, ça m'ennuyait pas tant que ça à l'époque. Si cette fille avait insisté, je l'aurais rejoint volontiers. Tu peux jouer avec le toboggan finalement? Jamais. Estelle, si tu m'avais pas demandé de venir à ce rendez-vous, je n'aurais jamais pu tenter l'expérience. Tout le monde m'abandonne toujours facilement. Mais toi, tu es différente. Personne ne se soucie vraiment de moi, mais toi tu le fais. Et je n'ai jamais pensé que je pouvais ressentir ça. Rita, je t'aime. Et je veux que nous ayons encore beaucoup de rendez-vous. Je veux que nous passions nos meilleurs moments toutes les deux. Je t'aime tellement. C'est pourquoi... Rita, nous ne sommes pas censés nous embrasser avant la fin du rendez-vous. Je suis toute embarrassée maintenant. Mais Estelle, du coup, le rendez-vous n'est pas fini, non? Regarde, la pluie s'est arrêtée. Tu as raison. Alors, quelle est la suite de notre programme? Rita, tu es la meilleure. D'abord, nous devons changer nos vêtements et en mettre des secs. J'ai des vêtements de rechange et une cabine à proximité. Tu as une cabine? Allons-y.